Difficile à croire, mais je me trouve dans un jardin. Alors, j'aimerais tout comprendre parce que j'ai beau avoir beaucoup d'imagination, j'ai du mal à saisir. Où sommes-nous ? Eh bien, nous avons conçu ce décor de grenier qu'un homme a décidé d'investir suite à l'inondation de sa maison et de créer son potager pour pouvoir vivre. Un potager dans une maison inondée, ça se fait ? Absolument. Oui, alors je suis un tout petit peu dubitative, je vais aller vérifier. Plus de doute, c'est bien un jardin et c'est bien habité. Eh bien écoutez, je crois que je ne suis pas au bout de mes surprises ici, car des jardins du futur, c'est inhabituel, mais c'est ce dont je vais vous parler et c'est ce que je vais vous faire découvrir précisément ici, dans ce grand domaine de Chaumont-sur-Loire. Chaumont-sur-Loire est un domaine étonnant. Il a vu passer trois têtes couronnées, dont la célèbre Catherine de Médicis. Et c'est la princesse de Breuil qui, en 1875, fit aménager ses jardins par le plus grand paysagiste de l'époque, Patrice-Henri Duchesne. Aujourd'hui, le domaine accueille le Festival des Jardins. Pendant 6 mois, des artistes du monde entier exposent leur conception florale. Et le thème de cette année est ambitieux. Imaginez ce que seront les jardins du futur. Car les défis sont nombreux, urbanisation intensive, changement climatique et montée des eaux. Ces concepteurs nous proposent des solutions, comme avec ce jardin inondé. Selon les derniers chiffres de 2009, 11% de la population vit en zone inondable. Représentez-vous bien, c'est un Français sur 10. C'est donc cette statistique inquiétante qui a amené les créateurs de ce jardin à s'interroger. Restez. Vous l'avez compris, c'est ce qu'a fait l'habitant de ce lieu. Il s'est adapté de manière à vivre avec de nouvelles données, presque comme avant. Chantal Colleux-Dumont, vous êtes directrice de ce lieu et vous êtes aussi experte en jardin. Une question s'impose à nous, est-ce qu'on peut vraiment continuer à vivre dans un tel chaos ? On peut s'adapter, c'est ce qu'ont proposé les concepteurs de ce jardin en fabriquant cette terrasse avec du bois. Avec ses pilotis, puisque les pilotis, c'est une tradition millénaire. Et donc, l'eau étant montée jusqu'en haut de l'escalier, la seule solution pour le propriétaire de cette maison, c'était de faire cette terrasse qui donne sur le jardin. Toutes les plantes qu'on voit là, parce que finalement, il y en a beaucoup, on a l'impression que la nature a refleuri toute seule d'un coup. C'est le cas ? Elle n'est pas revenue toute seule, c'est le travail du jardinier. Le jardinier, c'est quelqu'un qui joue avec la nature, qui fabrique le jardin. Là, ils ont utilisé des éléments assez banals. Un baril, on en trouve partout. Et puis des végétaux dont on a besoin pour se nourrir, parce que ce jardin, il est à la fois esthétique et nourricier. Dans ce baril, Céline ajoute du terreau pour y planter courgettes et salades. Mais en zone inondée, la terre n'est pas toujours à portée de main. D'autres techniques peuvent être utilisées. Mon Gaël ? Oui ? Tu peux venir m'aider s'il te plaît ? J'arrive ! Avec le céleri et une super salopette. Ben voilà, le céleri. Ah. Le céleri dans le panier. Et maintenant, on va faire un autre type de culture, c'est de la culture qui se rapproche de la culture hors sol, puisque cette fois-ci, on va cultiver directement dans l'eau. Il n'y a pas besoin de terre, il n'y a besoin de rien, c'est juste dans l'eau, dans cette zone inondable. Voilà, allez, viens. Ok. Bon, bah, qui s'y frotte, s'y pique. Voilà, je rejoins les têtards, les grenouilles, et même les couleuvres, on en a vu tout à l'heure. Tu peux aller l'accrocher juste là. D'accord. Près du baril. Donc là, je l'attache. Ah, je l'ai noyé. Donc ça a pris en fait un petit panier. Un petit panier à salade. Il y a suffisamment de choses nutritives dans l'eau et la plante devrait se développer. Comme le céleri aime bien l'eau, normalement, ça devrait marcher. Si je peux faire ça avec n'importe quel légume ? Non. Alors, tu vas pas faire ça avec une tomate parce que la tomate, elle préfère les milieux secs, elle vit en milieu sec. Donc, il faut quand même que tu adaptes ton légume. Mais en théorie, oui, ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher, oui, mais encore faut-il avoir le temps. Or, c'est ce qui nous manque le plus dans nos sociétés modernes. Alors, je vais aller voir quelques concepteurs qui ont pensé à nous en nous proposant des jardins qui se cultivent tout seuls. C'est parti. À première vue, ce jardin ressemble à beaucoup d'autres. Mais en quoi est-il soi-disant futuriste ? Marguerite, Grégory, bonjour. Vous êtes les concepteurs de ce jardin. Alors, il est étonnant, on rentre ici, on voit une grande arche, une grande structure, et puis par terre, un plancher de bois avec des plantes un peu partout. Qu'est-ce que c'est ? C'est un jardin autonome, en fait, qui se développe de lui-même, qui s'harmonise, qui se multiplie. Donc, on a utilisé pour ça la technique des bombes à graines.
Donc c'est un mélange d'argile et de terreau dans lequel on insère une graine, ce qui permet à la graine d'être protégée et de germer quand elle est dans des conditions idéales pour germer. Donc si je comprends bien, on prend cette petite bombe de graines, on la lâche dans la nature et au bout d'un certain temps, elle nous donne par exemple cette fleur. Exactement. Donc on peut la lancer un peu partout, dans des espaces a priori inaccessibles, délaissés, et du coup semer la nature là où on le souhaite. C'est facile de se procurer ces bombes de graines ? On peut se les procurer, mais on peut aussi les fabriquer très facilement soi-même. Pour fabriquer ces bombes, rien d'illégal, rassurez-vous, il suffira d'un peu de terre et d'argile. Alors l'argile va permettre de protéger la graine, en fait, ça va faire une sorte de coque. Comme une enveloppe. Voilà, exactement, comme une enveloppe. Et la terre va apporter les nutriments à la graine pour qu'elle puisse germer, en fait. Très voilà. Bien, c'est dans ce sens-là qu'elle est complètement autonome, il n'y a pas besoin de la nourrir en quelque sorte. Exactement. Le terreau le fait. Le terreau la nourrit et l'argile la protège. Donc on fait le mélange. Il faut avoir de bons bras. Ben, pas mal, ouais. Donc si on veut en faire beaucoup, on peut le faire même avec les pieds pour avoir plus de force. Mais sinon, il faut bien mélanger l'argile et le terreau. On peut rajouter un peu d'eau pour faire une pâte, comme une pâte de pâtisserie. Et maintenant, on va mettre les graines. La bombe à graines est fin prête. Une fois qu'elle sera lancée, plus besoin de s'en occuper. Mais il y a aussi un second avantage. Elle se développe n'importe où, même dans les endroits les plus inaccessibles. Là, on a une structure qui symbolise les espaces un peu infertiles dans la ville. Donc on va imaginer de pouvoir les poser dans des endroits où on se dit qu'il n'y a rien qui peut pousser. Et puis finalement, la graine va pouvoir germer et puis ensuite se développer. Un peu perché ce concept de bombe et en même temps, si vous faites ça chez vous, dans 15 jours, vous aurez des capucines enracinées dans la façade de votre immeuble. Et donc là, on peut voir qu'il y a une plante qui s'est déjà enracinée. En fait, on voit la boule qui s'est cassée autour. Et donc la plante commence à s'enraciner dans la terre et à se développer. Donc là, une fois que la boule s'est cassée, donc elle se casse naturellement, ça veut dire que la plante a pris le dessus et qu'elle n'a plus besoin de la structure pour vivre, qu'elle s'est enracinée et qu'elle est partie pour vivre le temps de sa vie naturelle. Voilà, quoi. C'est ça. Donc la plante, en fait, par la force de la germination, va arriver à casser la coque d'argile et du coup à germer. Avec 10 milliards d'êtres humains d'ici à 2050, il y aura encore bien d'autres modèles à inventer pour permettre au jardin de nous nourrir et de nous ravir. Les artistes de Chaumont-sur-Loire n'ont donc pas fini d'innover.